Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver pour cette édition de la revue des grandes news Equinox Télévision. D'abord, un tour en kiosque pour faire le point sur les parutions de ce matin. D'abord, la nouvelle expression qui vaut les inondations, Douala, dans le titre Le Quotidien. La forte pluie qui s'est abattue sur la capitale économique du Cameroun vendredi 21 août 2020 a abondamment inondé les maisons et les voies publiques de plusieurs quartiers de la cité portuaire, avec des dégâts matériels très importants, indique le journal. Mutation, pour sa part, évoque la douche froide dans la capitale économique. La ville en proie à des inondations suite à des pluies diluviennes. Leçon d'un vendredi noir, indique le journal en sa grande une ce matin. Le jour, Douala sous les eaux. Plusieurs quartiers ont subi les conséquences de la montée des eaux à la suite des pluies diluviennes de jeudi à vendredi, indique le quotidien privé Le Jour dans sa parution de ce matin. Inondation, titre Émergence, le drame de Douala. Le film des événements est proposé par le quotidien bilingue Émergence ce matin et les leçons à tirer à retrouver également dans le journal. Le quotidien Cameroun Tribune évoque ce matin intempéries à Douala. La mobilisation générale, indique le journal, après les fortes pluies tombées sur la capitale économique vendredi dernier, on a assisté à une effervescence spontanée pour la gestion de la catastrophe dans divers quartiers inondés, du gouverneur au riverain en passant par le maire de la ville et d'autres acteurs institutionnels ou politiques. Une synergie d'action et une chaîne de solidarité se sont rapidement mises en place. Le dossier du quotidien La Nouvelle Expression est à retrouver des pages 10 aux pages 13 du journal ce matin. Et c'est le sujet majeur dans la presse paru ce matin au Cameroun. Et avec nous sur ce plateau, nos confrères pour analyser et décrypter ces sujets d'actualité. D'abord, Gérard Batana, bonjour. Bonjour Donald Biskamgen, bonjour Thierry Niopé, bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. C'est toujours un plaisir d'être là pour parler des choses de la cité. Merci d'être avec nous ce matin. Vous l'avez indiqué, vous êtes en face de Thierry Niopé. Thierry, bonjour. Bonjour Donald Boris, bonjour à Bernard Tana à qui j'envoie la politesse, bonjour également aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision. C'est un plaisir d'être là ce matin. Alors, Jura, est-ce que vous êtes surpris par ces graves inondations à Douala? La nouvelle expression indique que ce matin que bon nombre de quartiers de la capitale ont les pieds dans l'eau depuis vendredi. Alors, il faut dire que l'eau a cherché son lit, particulièrement à Douala, et que la nature a donné l'ossature de l'urbanisation de la ville de Douala. On a vu, à travers ces inondations, les zones qui sont habitables, les zones qui ne sont pas habitables, les zones qui sont marécageuses, les zones qui ne le sont pas. Moi, je pense que, samedi dernier, nous avons reçu l'invitation du maire de la ville de Douala, Roger Bassadiné. qui appelait la rédaction de Kaberbi à une descente sur le terrain pour faire des constats sur le terrain des dégâts causés. Moi, je pense que la communauté, le service de l'urbanisation de la communauté de la ville de Douala a du grain à moudre. La nature même a déblayé le terrain. La nature même a donné l'ossature de l'urbanisation de la ville de Douala. Je crois que maintenant, on peut tirer les conséquences. Les conséquences, c'est sensibiliser la population comme l'a fait le maire de la ville de Douala, c'est aménager les drains, c'est détruire les maisons qui sont dans des zones inhabitables. Il y a un journal qui a titré que le maire de la ville promet de sévir. Non, il ne va pas sévir. Il va juste mettre de conditions d'une bonne cohabitation parmi les habitants de la ville de Douala. Je pense que, en attendant qu'un autre déluge n'arrive, il faut que les autorités s'y mettent. Il y a même, et le journal, la nouvelle esprit, le journal Le Messager l'a d'ailleurs dit, il y a le ministre de l'urbanisme qui était là,
pour venir constater les dégâts. Qui a parlé même de réchauffement climatique et que le mois de septembre s'avère aussi un mois qui sera extrêmement pluvieux. Donc moi je pense qu'il faut que les mesures d'urgence soient prises avant qu'on ne vienne constater la catastrophe. Alors Thierry, ces graves inondations de cette fin de semaine ont rappelé celles de 2015, mais celles-ci sont inédites puisque pour la première fois le fleuve Vori est sorti de son lit. Oui. Je crois qu'on devrait dépasser le cap des constats. Bernard l'a dit tout à l'heure, il y a eu le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain qui est descendu dans la ville de Douala pour faire des constats. Il y a le délégué ou le supermaire de la ville de Douala, Dr Bassadine, qui est également descendu avec une horde de journalistes pour une fois de plus faire le constat. Il faudrait qu'on aille au-delà de ces constats parce que, qu'on le veuille ou pas, je vous rappelle que Dr Bassadine était quand même l'un des acteurs de l'urbanisation des villes au Cameroun parce qu'il était... Il a été secrétaire général auprès du ministère de la planification. Donc, il est clair qu'il était au fait d'un certain nombre de choses pour ce qui est des villes. Il a été en même temps grand conseil à la communauté urbaine de Douala de l'époque du docteur Fritz Tonnet. Donc, il est au courant, il sait exactement de quoi ça retourne. En 2015, on a vu cela, et au-delà de 2015, tout le monde est au courant que les grains de Douala sont. Vous vous rappelez que le docteur Fritz Tonnet avait initié à engager un certain nombre de mesures pour ouvrir les drains de Douala et également beaucoup d'autres quartiers. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la construction de certains grands drains, notamment du côté de Makepe Misoke, pour permettre justement à ces populations de vivre en toute quiétude. Et aujourd'hui, d'ailleurs, même au-delà de ces inondations-là, Makepe Misoke n'a pas assez débordé, mais débordé au niveau de l'endroit où les travaux n'avaient pas été faits. Alors il faudrait que le docteur Bassadine comprenne que l'administration étant une continuité, il devrait s'inscrire dans la même logique que le délégué du gouvernement. Tout le monde savait que la saison pluvieuse allait être rude au regard des changements climatiques que nous observons au sein du corps, que nous observons pas seulement au Cameroun, vous l'avez vu, même en Europe, où les fleuves, beaucoup de fleuves sont sortis de leur nid. Donc il fallait prendre des mesures qui s'imposent. Maintenant que le tap des constats est passé, j'espère que depuis vendredi, on n'a pas vu grand-chose sur le terrain, il faudrait le dire. On n'a pas eu grand-chose, les gens sont descendus, le ministre est venu, tout le monde a fait des constats, mais on n'a pas vu un seul engin sur le terrain en train d'ouvrir les drains, en train de curer les carnivaux. On n'a rien vu du tout jusqu'à présent. Ce sont ces actions qui sont attendues. Il faudrait aller au-delà, justement. Il faudrait maintenant, commencer maintenant, parce que je vous ai dit, pour arriver ici, il fallait beaucoup de courage. Il pleut dans la ville de Douala, il pleuvra toujours dans la ville de Douala jusqu'au mois de septembre, donc que les uns et les autres, ceux qui sont chargés justement de l'urbanisation de la ville de Douala, travaillent davantage. Au-delà de Douala, il y a eu le Grand Nord, il y a eu également l'Ouest, vous en avez parlé dans votre journal. Il y a eu beaucoup d'autres, même IDEA. Donc il faudrait que ceux qui sont chargés de gérer les problèmes des Camerounais le fassent avec beaucoup d'élan et beaucoup d'entrain. Alors Bernard Thierry parle de l'urbanisation, les journaux l'évoquent ce matin, cette question cruciale, mais avant cela, il y a eu des signes avant ces graves inondations de cette fin de semaine. On se souvient de cette alerte de l'Observatoire national des changements climatiques qui a avisé que de fortes pluies seraient annoncées dans les grandes villes, notamment Douala, avec des conséquences comme les inondations. Oui, et effectivement, vous savez... Notre malheur, le plus grand malheur de nos décideurs, c'est que on n'anticipe pas sur les événements. On n'agit pas, on y agit. C'est-à-dire que et puis quand une catastrophe se présente, on s'agite et autres là, on y agit. Effectivement, l'Observatoire national avait tiré sur la sonnette d'alarme pour dire que il y a des forces de précipitation qui sont annoncées et qui auront un impact sur le quotidien des Camerounais. Même c'était à l'espace, le délai était assez court. Le délai était assez court, c'est vrai. Bon, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, lorsque les urbanistes s'asseyent pour travailler, la question fondamentale, comment gérer l'eau? Parce qu'en réalité, les urbanistes, travaillent par rapport à l'eau. Mais l'eau même, les précipitations de vendredi vous ont montré leur chemin. Je disais tout à l'heure là que l'eau a construit le squelette
de l'urbanisation de la ville de Douala. Mais je crois que les autorités au niveau de la ville n'avaient qu'à s'inspirer de cela pour savoir que ici, les drains, par exemple, comme il a dit, les drains sont encore bouchés. On n'a rien fait depuis vendredi. Et il va continuer à pleuvoir. Et les drains vont continuer à être bouchés. Et les gens seront contraints de dormir à la belle étoile si rien n'est fait au plus tôt. Moi, je pense que le temps de constat est passé. Il faut passer aux actes. Il faut passer aux actes. Il faut que la communauté urbaine et les mairies se mobilisent. Se mobilisent. Et c'est ça leur rôle. C'est ça le rôle. Quand on est dit on est élu du peuple, on est conseiller municipal, on est si où. Non, c'est pour cela. C'est pour cela qu'on les a mis là-bas. Ce n'est pas pour aller constater, mais c'est pour nous assurer des conditions de vie meilleures. L'une des patates chaudes des autorités, Thierry, c'est bien cette question épineuse des drains. On a constaté que au-delà de l'insuffisance de ces drains dans la capitale économique, il y a la question du drainage. Du curage de ces drains qui se posent également. Oui, mais allez. On parle d'environ 250 drains dans la ville, mais moins de 30 qui sont curés. Voilà, c'est. Alors, en fait, vous-même le calcul, il y a 220 drains à curer, rien n'a été fait jusqu'ici. Je l'ai dit tout à l'heure, au-delà des conseils, il faudrait qu'on aille droit au but. Ça ne sert à rien de continuer à épiloguer là-dessus, à discuter autour de ce qui devrait être fait. Ce qui devrait être fait, c'est le curage des drains. Allez questionner les budgets de ces collectivités territoriales décentralisées, donc de ces mairies-là. Vous vous rendrez compte que dans chaque mairie, il y a des petits marchés, on les appelle vulgairement au Cameroun, les 4-9 sont des marchés qui permettent aux élus locaux, notamment aux édiles des différentes communautés, des différentes communes, de donner des marchés, des petits marchés à quelques amis, parce qu'avec cela, on n'a pas besoin de passer par une commission de passation de marché. Ça se fait au bonheur, la chance, en fonction de la tête du client. Et effectivement, sur le terrain, il n'y a rien à faire. Et parfois, même quand ces drains sont curés, la même saleté est reversée juste à côté. Il n'y a aucun service capable, en fait, qui est diligenté pour nettoyer justement cela. Il faudrait que l'on aille au-delà des constats. Ce n'est pas seulement un travail au niveau qui se situe au niveau de la grande ville de Douala, notamment au niveau du docteur Bassadine, mais c'est également au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Qu'est-ce que les différents maires de la ville de Douala ont fait justement pour éviter aux populations de cette grande métropole de ne pas subir cela? Je vous rappelle que les graves inondations ont eu lieu à quoi? Et du côté de Douala 5e, qu'ont fait ces maires-là? Je ne vois rien du tout. À part quel cœur de la ville. Mais justement, le cœur de la ville avait les pieds dans l'eau. C'est un spectacle que, vu à mon vision, c'est assez hilarant. Mais en réalité, on a mille raisons de pleurer. Les collectivités territoriales, Bernard l'a dit tout à l'heure, ont également leur partition à jouer dans cette grande messe. Il faudrait que les uns et les autres s'impliquent davantage à cela. Et même les populations. Même les populations ont également une grosse part de responsabilité. Moi, j'ai fait le tour de au-delà de ce qui a été fait, notamment par le docteur Bassadine, de certaines localités de la ville de Douala. Vous vous rendrez compte que du côté de Douala 5e, notamment après vers Mbagna, vous vous rendrez compte que il y a des gens qui ont carrément construit sur le nid, là où sur le passage des eaux, obstruant d'une manière ou d'une autre le passage de ces eaux-là. Pourtant, tout le monde sait qu'on n'arrête pas l'eau. On trouve une voie à l'eau pour lui permettre justement, ou pour la permettre justement de circuler en toute quiétude. Mais on n'empêche, on ne peut pas bloquer le passage de l'eau. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Les populations construisent parfois sur des drains, construisent sur des passages d'eau, rétrécissant le nid. Et les conséquences sont là. Quand le voury déborde, il est clair que le surplus, vous avez même vu, même la construction, même le pont sur le Voury a été quelque peu débordé, au point où même l'entrée du pont, le pont qu'on vient à peine de construire, était suffisamment gorgé d'eau. Ce sont des choses que les urbanismes, en fait, on a comme l'impression que ceux qui gèrent le Cameroun ne gèrent pas en termes de prospective. Vous évoquez les urbanistes. Ce matin, Mutation donne la parole justement à quelques experts qui parlent, entre autres, de revoir le plan d'occupation du sol qui a été adopté, je crois, en 2015 pour le cas de Douala.
On observe justement qu'il y a des dérives et des curiosités dans l'occupation du sol, les populations qui sont installées dans les zones à risque, sur des drames parfois. Bernard, comment expliquer cet état Alors, Thierry l'a dit, il n'y a aucune explication. La seule explication qu'on puisse donner, c'est conscientiser ces populations. Dire à ces populations que quand on vous interdit de construire dans une zone inhabitable, c'est pour préserver votre vie et celle des autres. Quelqu'un a dit là que le docteur Mbassadine va sévir. Il ne va pas sévir. Il va juste appliquer le plan d'urbanisation. C'est simple, c'est facile à comprendre. Il ne s'agit pas de faire une conscientisation, de dire que lorsque vous construisez là, vous mettez votre vie en danger, celle de votre famille et celle de vos voisins. Et quand on l'a dit, on va comprendre que on ne doit pas habiter à tel ou à tel endroit. Bon, maintenant, il faut aussi que les responsables des communautés urbaines et des collectivités décentralisées prennent aussi leurs responsabilités. Hein, parce qu'au quartier, là, ils vont négocier avec des individus pour dire, OK, il faut construire là-bas. Et moyennant que non, moi je pense que. Mais justement, sur ces zones souvent à risque, certains brandissent parfois un titre foncier. Un titre foncier qui n'est pas le vrai. Parce que si c'est une zone à risque, il n'y a pas de titre foncier qui soit là-bas, qui puisse être là-bas. Moi je pense que. Un titre foncier qui a forcément été délivré par une autorité. Oui. Hein. Les autorités, la communauté urbaine, le service du cadastre et autres doivent désormais prendre leur travail au sérieux. Et empêcher de. Il vaut mieux empêcher de construire que de laisser construire et constater des catastrophes et des dégâts. Je crois que en matière de construction, en matière d'urbanisation, prévenir vaut mieux que guérir. Sur les zones à risque, Thierry Niopé, c'est une question qui est assez délicate. Il faudra bien que les gens partent, mais ça aussi, il faut organiser le départ de ces zones à risque. Bernard l'a dit tout à l'heure, prévenir vaut mieux que guérir. Qu'est-ce qui a été fait en termes de prévision? Tout à l'heure, je parlais de prospective. Ces gens, quand. J'appelle que le départ des zones à risque est l'une des mesures fortes que prescrit le maire de la ville, Roger Mbassadine, qui était ce week-end sur le terrain. Mais est-ce qu'il est le premier à l'avoir fait? Le délégué du gouvernement sortant, le docteur Finstone-Tonnet, l'avait fait. Mais qu'est-ce que ça a donné quoi? J'ai comme l'impression qu'entre les discours, le fossé entre les discours et la pratique est généralement très criard et c'est malheureusement déplorable. Parce que quand ces populations s'installent dans ces zones à risque-là, les autorités sont là pour observer. Les maires qui sont au cœur de l'actualité, de la gestion quotidienne des différentes collectivités territoriales décentralisées sont au fait d'un certain nombre de choses. Parce qu'ils devraient quand même côtoyer ces populations au quotidien, aller descendre sur le terrain pour toucher du doigt comment ces populations vivent. Alors, si ces maires faisaient réellement leur travail, c'est que ces gens n'occupent pas n'importe quel espace. Et quand bien même ces constructions seraient en train de démarrer, ils ont la possibilité de faire interrompre généralement les chantiers, mais on laisse construire des gens. Je dis, faites un tour du côté de Mbangué, du côté de Douala 5e, vous vous rendez compte qu'il y a des duplex qui sont construits sur des drains, sur des passages d'eau. Ce n'est pas tolérable. Ces maires ont leur responsabilité. Ces populations également ont la leur. Parce que quand vous allez construire, quand même investir des millions dans un endroit aussi dangereux, il est clair que quand les eaux arrivent, soit elles détruisent, soit elles emportent vos biens, vos investissements, parfois même vos enfants au péril de la vie de votre progéniture, de vos proches. Donc, vivement que tout le monde prenne ses responsabilités maintenant, les collectivités territoriales décentralisées, le supermètre de la ville de Douala et des autres localités, parce que même Médé a été touché, l'Ouest également a été touché, l'extrême nord également. Donc, il faudrait que tout le monde prenne ses responsabilités et que les populations comprennent davantage que ce n'est pas au nom de la mendicité, ce n'est pas au nom de la pauvreté qu'on devrait tout justifier. Non, la pauvreté ne justifie pas tout. Tout le monde n'est pas obligé de vivre en ville. Hein. On a l'habitude de dire, si vos moyens ne vous permettent pas de vivre en ville, il y a encore des terres assez importantes du côté de nos différents villages. On peut rentrer, effectivement, faire autre chose. Tout le monde, au nom du gain, parce qu'on veut rester en ville, on se construit n'importe où et les autorités. Sous prétexte qu'on ne veut pas cristalliser l'attention autour de cela, laisse parfois les gens construire, sous prétexte que le chef d'État n'aime pas les casses, sous prétexte que la population va se révolter, sous des fallacieux, des spécieuses
arguments, on laisse les gens faire n'importe quoi. Non, il faudrait que tout le monde prenne ses responsabilités. Bernard, on va peut-être évoquer également le rôle des collectivités territoriales décentralisées, justement, les maires et les grands maires, comme on les appelle, les super maires, comme on les appelle, ont-ils les moyens d'adresser cette question de façon sérieuse? Vous savez, moi, les moyens, ça vient après. Ce qui est urgent aujourd'hui là pour les communautés, pour les collectivités, les maires et autres là, c'est de savoir, de faire un recensement. Quelles sont les zones sinistrées? Quelles sont les familles qui ont été sinistrées? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'ils vont... Parce que ce n'est pas tout de dire que bon, quand on a fini de faire le constat, on dit on va sévir. Non. Moi, je pense que... Et quand on constate que les mêmes personnes qui ont été sinistrées après la fin de pluie ont regagné leur maison. Hein. Cela veut dire que le problème n'a pas été résolu. Ça veut dire qu'ils ont regagné leur maison en attendant les prochaines pluies. Non, nous pensons que lorsqu'il y a une alerte qui a été donnée comme celle-là, qu'on trouve des solutions définitives. C'est-à-dire que recenser les zones à haut risque, déguerpir les populations de ces zones. Bon, maintenant, il reste à la communauté de trouver une solution pour ceux qui seront déguerpis. Mm. C'est simple et c'est ça leur rôle. Thierry a dit tout à l'heure là que on n'est pas obligé de rester en ville. Mais moi, je pense qu'on est chez soi au Cameroun, partout. Mm. Donc, moi, je pense que quand il y a un problème de ce genre, il faut trouver des solutions à l'immédiat. Mm. Parce que les descentes sur le terrain du ministre, les descentes du super-maire, ils ont fait des constats. Il y a eu des zones sinistrées, il y a eu des inondations qui ont commis des dégâts. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain, ces inondations ne commettent pas les mêmes dégâts? C'est ça la grande question. C'est ça le nom du problème. Donc, il faut déguerpir les gens, mais il faut également trouver... Il faut trouver. Si vous déguerpissez 100-150 personnes, il faut bien qu'ils soient mais quelque ils part. Ils sont de la communauté, ils sont de la ville, ils doivent le trouver. Ils doivent trouver où les reloger. C'est leur rôle. C'est le rôle de la communauté. Quand vous avez déguerpi une personne, qu'est-ce que vous en faites? Mais puisque ceux qui sont même déguerpis, les enfants qui sont dans la rue là, le rôle de l'État, c'est de les ramener à la vie sociale. La question des moyens pour les communautés. Ben oui, mais maintenant, on ne va pas se mettre à avoir pitié des communautés décentralisées ici pour dire que non, ils n'ont pas de moyens. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de savoir que les populations vivent une vie assez décente. Bon, maintenant, il revient aux communautés et aux responsables de trouver ces moyens-là. Nous n'allons pas nous mettre sur les plateaux ici pour dire que non, Douala 4 n'a pas de moyens. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de veiller à ce que les populations vivent en toute quiétude, de façon décente. Voilà notre rôle. Bon, maintenant, notre rôle, ce n'est pas de trouver des moyens. Ce n'est pas d'avoir pitié des communautés. Mais la question des moyens se pose, qu'on le veuille ou pas, elle se pose. Thierry, on a le nouveau code qui prévoit 15% du budget de l'État pour les collectivités territoriales. Ce n'est pas encore effectif. On va forcément évoquer dans les solutions qui sont envisagées la question des moyens. Non, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant parce que on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. On ne peut pas vouloir vivre dans un milieu salubre sans pour autant nettoyer. Il est clair. Quand, je l'ai dit tout à l'heure, quand ces gens construisaient, la communauté urbaine était là. Ces collectivités territoriales décentralisées étaient là. On les voyait bien comment ils construisaient. Personne n'a levé le petit doigt. Personne n'a fait ce qu'il devait faire parce que effectivement, vous savez que pour bâtir dans la ville de Douala, il faut un permis de bâtir. Absolument. Alors, est-ce que ces gens qui ont construit, voilà maintenant, dans la pratique justement, vous revenez sur le principe, dans la pratique, est-ce que ces gens qui ont construit dans des zones à risque ont des permis de bâtir? La communauté urbaine de Douala, où à l'époque, c'était la mairie de ville. A-t-elle délivré des autorisations, des permis de bâtir à ces gens qui construisent des duplex dans des zones à risque? Je dis non. Ce n'est pas possible du tout parce que tout le monde sait que ce sont des zones à risque. On ne peut pas parce que même pour les viabiliser, il faut énormément de l'argent. Tout à l'heure, vous parliez une fois de plus de moyens. Bernard parlait de recasement. Quel est le plan d'occupation de sol qui a été fait? Même quand l'État se permet de se donner des moyens en viabilisant certaines zones,
Est-ce que ces zones sont habitables par tous les Camerounais? Faites un tour du côté de Yassa, l'une des où les logements sociaux. Est-ce que ces logements sociaux sont à la portée de tout du Camerounais lambda? Je dis non. Il faut débourser plus d'une vingtaine de millions de francs CFA pour avoir un R plus 2, parfois un R plus 3. Combien de Camerounais peuvent, en l'état actuel de la paupérisation du peuple, réunir une vingtaine de millions après une vingtaine d'années de travail en temps normal? Ils sont très rares, il faudrait le dire. Parce que combien de Camerounais gagnent plus de 200 000 francs CFA, on les compte au bout du doigt. Donc il faudrait que l'on comprenne que l'État devrait davantage travailler à accompagner justement les populations dans ce sens, notamment en travaillant, pourquoi pas, à viabiliser d'autres zones. Faites un tour entre Yassa en allant vers Idéa, il y a tellement de terres non viabilisées. Qu'est-ce qui est fait là-dessus? On peut. Ce ne sont pas des zones à risque. On peut viabiliser, permettre aux populations d'avoir accès à la terre. Quand on a accès à la terre au niveau de l'investissement, c'est important. Quand on a accès à la terre au niveau même des constructions, c'est important. Plus on tire la ville, plus la ville se développe. Donc, Douala étouffe suffisamment en intérieur. Il faudrait qu'on essaye un peu d'élargir la ville de Douala, en passant notamment du côté de PK 30 à montant, en allant du côté de Yassa en tirant. Donc, il est possible de le faire. Mais pour le faire, il faut des moyens. Et aucun État ne peut être en faillite. L'État peut chercher l'argent. La preuve, pour lutter contre la Covid-19, on a eu emprunté près de 136 millions, milliards de francs CFA auprès de la Banque mondiale. On peut également emprunter pour des causes aussi nobles que salutaire. Parce que l'argent de la Covid-19, tout le monde sait ce que ça fait et comment ça a été utilisé. Alors qu'on aurait pu faire, notamment, ce n'est pas le sujet, mais on aurait pu construire, par exemple, des hôpitaux viables qui mettront du temps que de construire de manière laconique dans des stades qu'on détruit par la suite. Donc, l'argent, le Cameroun a de l'argent. Le Cameroun dispose des ressources. Le Cameroun est solvable. Le Cameroun peut emprunter pour viabiliser des zones pour afin de permettre aux populations d'avoir accès à la terre. Faisons quelques projections, Bernard. Thierry parlait tout à l'heure de ce fort taux d'urbanisation. L'ONU prévoit que d'ici 2030, plus de 60% de la population mondiale sera dans la ville. Douala n'est donc pas exclu de ce fort taux d'urbanisation. Ce sont des gens qu'il faudra recaser, à qui il faudra trouver des emplois. Et donc la question des inondations va se poser s'il n'y a pas une bonne planification, s'il n'y a pas des mesures maintenant pour prévoir le lendemain. Je rappelle que les prévisions météorologiques ne sont pas optimistes. Hein. De fortes pluies sont également, sont aussi, une fois de plus, annoncées dans la ville de Douala. Surtout au mois de septembre. Non, mais c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Il faut qu'on a quand même des urbanistes. On a des communautés qui ont certainement le plan de la ville. Je crois que quand tu vas à la super mairie, là, comme on parle, il y a un plan de la ville de Douala. Quand tu vas dans les mairies d'adossement, il y a des plans. Il suffit de mettre en œuvre ces plans-là pour que chacun trouve une place. Il y en a pour tout le monde. Et Thierry vient de parler de l'État. Mais c'est de l'État qu'on parle. Ce n'est pas d'un individu. Ce n'est pas d'une pauvre femme qui vend les beignets au bord de la route. C'est une personne morale et dont le rôle essentiel, c'est d'assurer le bien-être des populations. Mais c'est de cela qu'on parle, monsieur Kangé. C'est de cela qu'on parle. On ne parle pas d'autre chose. Donc l'État doit mettre des moyens. Et ce qu'on n'a pas dit, je ne sais pas s'il y a même des pertes en vie humaine, le vendredi là, on n'a pas signalé. Non, je pense que l'État a tous les moyens de se déployer pour que les populations aient un minimum de décence. Mais c'est de cela qu'on dit à l'horizon de, je crois, vous avez dit là, 2030, 60% des citoyens du monde seront des citadins. Ils vont habiter les villes. Mais il faut préparer cela. C'est aujourd'hui qu'on prépare cela. Ce n'est pas le jour où il y a une inondation qu'on va commencer à chercher ou recaser. Non, c'est aujourd'hui qu'on prépare. Et pour préparer cela, il faut bien qu'on viabilise. Il faut bien qu'on casse les maisons dans les zones inhabitables, qui ne sont pas habitables, dans les zones à haut risque. Mais oui, on ne peut pas concevoir une omelette sans casser les œufs. Si on veut avoir des villes fiables, des villes vivables, respirables, il faut bien que les gens qui ont construit sur les drains soient déguerpis.
Ce n'est pas de la pitié. Ce n'est pas de la pitié qu'on veut faire. On ne va pas dire, ok, moi je suis malheureux et il faut qu'on m'aide. Je veux seulement qu'on m'aide. Moi je me débrouille. On ne se débrouille pas. On vit dans un monde viable et fiable. Dans des villes vivables et respirables. Alors, mais c'est de cela qu'il est question. Thierry, dans l'immédiat, Cameroun Tribune parle ce matin de mobilisation générale évoquant sa descente sur le terrain du maire de la ville de Douala, accompagné de ses adjoints et d'autres partenaires pour adresser cette question au lendemain de ces graves inondations. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut faire dès aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'il faut faire? On a également demandé où est passée la direction de la protection civile au ministère de l'administration territoriale. Vraiment, c'est chercher quelque peu de pouce sur les cheveux sur la tête. On a observé que beaucoup de citoyens qui ont été affectés se battaient comme ils pouvaient. Qui pour sortir un congélateur trempé, qui pour sortir des baffles mouillées dans la maison. Vous avez même montré des images où les gens nettoyaient leur canapé, faisaient... Au lendemain de ces interviews. Bernard l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire que ces gens sont déterminés à rester sur place. Rien ne sera fait pour ces gens-là. Ces gens même ne feront pas des efforts pour sortir de là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne peut pas au nom de la pauvreté justifier n'importe quoi. C'est-à-dire, si demain, il y a encore d'autres pluies, il y aura les mêmes conséquences que celles que nous avons vues ces derniers temps, vendredi dernier ou le week-end dernier. Alors, il faudrait, dans l'immédiat, je l'ai dit tout à l'heure, depuis vendredi, sur le plan de l'action, de manière immédiate, qu'est-ce qui a été fait? Rien. Est-ce que vous avez vu des engins en train de curer des carnivaux? On a vu le ministre ou madame la ministre, Céline Kitakoutès, sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu des engins en train de curer ces grands drains, ces nids là? Non, rien. Rien n'a été fait. Dans l'immédiat, Dr Mbassadine, les collectivités territoriales décentralisées, le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain doivent se mettre au travail pour déconjectionner ces drains-là, libérer entièrement ce qui a été l'obstruction de ces drains. Madame, Monsieur, merci. C'était la revue des grandes lunes de ce lundi, première édition de la semaine. Merci d'avoir été avec nous. Thierry, merci d'être venu. Merci Bernard Batana d'avoir été avec nous ce matin. Madame, Monsieur, merci et restez sur Equinox Télévision.